Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien du site dans la description de cette vidéo afin de vous faire plaisir. Vous y retrouverez de nombreux jeux, tous à tarif réduit, sur différentes consoles, mais également PC. Il y a aussi des cartes PSN, tous en promotion et plein d'articles Nintendo Switch. Et comme d'habitude, vous pouvez tenter de remporter le jeu de votre choix avec le jeu concours Instant Gaming. Il reste moins d'une journée, c'est gratuit. Participez, encore une fois, le lien du jeu concours est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, ça fait le clic, on s'entend pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Il est temps de passer aux choses sérieuses, il est temps d'aller tester ce Migaté élève de l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. On va aller le tester en PVP avec cette team. Juste avant, une chose, je tiens à tous vous remercier pour la journée qu'on a passée hier. Hier, depuis 3h du matin, au total, on a fait 3 contenus, 2 lives, 1 vidéo. Les 3 contenus sont partis en tendance jeux vidéo YouTube. C'est la première fois sur ma chaîne que j'arrive à avoir 3 contenus dans la même journée qui partent en tendance. Des fois c'est un contenu ou quoi, mais là les 3 dans la même journée sont partis en tendance. Donc vraiment merci énormément de votre soutien, de votre force, et également merci à vous de vous être abonné à la chaîne YouTube de Ludivine. Elle a fait sa première vidéo hier. Encore une fois, vous retrouverez le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Elle est bientôt à 5000 abonnés, donc vraiment merci à vous. Let's go maintenant les amis, on va partir tester cette team. J'ai mis le Gogeta Ultra en leader, le Migaté maîtrisé. Alors, il est seulement que 3 étoiles. C'est à prendre en considération. Vous allez comprendre pourquoi. Également, le tag du Legend Festival, Goku Blue, Vegeta Blue, LF, est là pour bien renforcer le Migaté. Je lui ai mis 3 KabZ Zenkai, le Gohan, famille de Goku, KabZ Zenkai pour le Migaté, le Goku SSJ Namek et le Goku Dragon Ball Zeto Kakaroto. Donc voilà, ça lui fait 3 KabZ Zenkai sur la tronche. Je pense que ça devrait cogner quand même suffisamment malgré qu'il soit qu'à 3 étoiles. On n'oublie pas une chose. Chose très importante, le Migaté maîtrisé, dès que vous perdez 2 alliés durant votre game, vous savez très bien, vous partez avec 3 combattants, hein. dès que vous perdez 2 combattants et qu'il ne reste plus que le Migaté sur le terrain, eh bien il a une survie au chaos. Quand sa force descend à 0, il récupère 40% de ses points de vie. C'est pas à négliger, sa carte verte et tout, c'est vraiment incroyable. Bref, vous allez voir, j'espère qu'on va faire des belles games. Let's go les amis. Yeah! Première game, et bah lui il s'est fait plaisir hein, pendant l'anniversaire. 7 étoiles Migaté, 10 étoiles le Vegeta. Donc nous on va partir comme ça. Alors, je mets pas le Migaté en premier pour la simple et bonne raison qu'il a une cover blast, une cover strike, et des fois ça peut te débloquer en situation dès le début du combat, tu vois. Donc ok, lui par contre il a mis le Migaté en premier, donc cette étoile. Pourtant c'est intéressant de le mettre directement en début de combat, 90% de dégâts supplémentaires, etc. Bref, moi je préfère jouer comme ça, chacun joue à sa manière. Let's go les amis, on y va. Donc là la verte, voilà, pour tempo, l'aspect va arriver. Ok, parfait ça. Voilà. Je pensais pas il allait mettre tout de suite le tag. Sinon j'aurais fait l'aspect direct. Ok, là ça va taper. Ah, c'était une tape au tir. Bien vu. Je pensais qu'il allait faire une blast. C'était une tape au tir. Et là voilà, la cover Migaté, incroyable. Bon alors là maintenant, vous voyez la jauge. Il a une jauge unique, tout ça. Faut qu'elle soit remplie. Bon bah là, regardez les dégâts. 3 étoiles, hein. Je le rappelle. Ok, du coup, normal. Il met sa cover avec son Migaté. Et là, en fait, je suis pas inquiet. Parce que là, voilà. Et regardez les dégâts. Bim, ça fait des dégâts. C'est incroyable. Oh là là. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ramène-moi ton Vegeta. On va Rising Rush. Est-ce que vous avez vu le Migaté? Est-ce que vous avez vu le Migaté? Mais c'est incroyable. T'as esquive. Et après, vu que tu as la double jauge d'esquive, et bah du coup, tu vas contrer et tu vas faire des dégâts sans même jouer. J'ai pas joué, c'est juste, ça se fait tout seul. C'est meilleur personnage du jeu. Vraiment, je vous le dis, meilleur personnage du jeu. Là, c'est trop fort comme mécanique. C'est une mécanique beaucoup trop forte. Donc là, attention, il fait sa verte. J'aurais peut-être pas dû enclencher la blast. Ouais. Ouais. Là, il fait des dégâts lui aussi. En plus, il est 7 étoiles. On va mettre le Gogeta là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis le Gogeta Ultra, parce qu'il est type bleu. Et forcément, face à du Migaté, c'est intéressant. Il a tanké un minimum l'aspect du Migaté avec la carte verte, alors qu'il est à 7 étoiles, le Migaté. Hein. Donc là, c'est pas mal, ça. Voilà, allez. Huche. Voilà. Voilà.
Et puis ça se passe bien. Voilà. Allez, c'est l'heure de la cantine. Et ben voilà, ben voilà. Ben il est parti à la cantine. Il se tient par la main, hein, tout seul. Et puis ben, il va aller manger les carottes râpées. Non mais là, c'est... Est-ce que vous avez vu le délire de Miligaté? 3 étoiles seulement. 3 étoiles seulement. Puis bon, ben, on prend plus de 200 points pour cette première game de la journée. C'est un truc de fou. Allez, on est parti pour cette deuxième game. Donc lui, il a le Vegeta de l'anniversaire. Bon, moi je vais prendre les 3 mêmes. Et on retourne en combat, il n'a pas de Miligaté par contre. En revanche, il a le Gatai Zamasu 6 étoiles. Ça aussi, il faut faire attention parce que Gatai, c'est fort. Il va le prendre ou pas? Et il l'a pris, il l'a pris. Bon, logique. En tout cas, moi, j'ai Miligaté. Lui, il l'a pas. Et également, les amis, hein, force à tous ceux qui sont fait shaft pendant l'anniversaire. Tous ceux qui n'ont pas réussi à obtenir un Miligaté. Sachez, si vous ne l'avez pas maintenant, vous l'aurez plus tard. Ne vous inquiétez pas, ça reste qu'un jeu vidéo. Il y aura des cristaux à farm, le raid va revenir. L'anniversaire est là pendant 40 jours. En tout cas, je vous souhaite de l'obtenir. Courage et force à tous ceux qui ne l'ont toujours pas eu pour l'instant. Bon, et ben let's go. On va voir, est-ce qu'on peut la gagner celle-ci? Ça serait pas mal de voir un petit Miligaté également en action encore. Ok. Ah mais il fait des dégâts lui, le Vegeta là. Oh, oh, oh. Wow, 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 wow. Eh, quand même. Wow, 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 wow. Il a fait des dégâts. les gars, je l'ai, Vegeta, moi, je l'ai pas encore testé. Ça a l'air d'être très, très fort. Par contre, ça lag. Par contre, ça lag et ça, c'est relou. Ouais, ça lag et c'est relou. La cover. Donc là, j'ai cliqué l'aspect... Ah, parfait. Je me suis dit, il va rattaquer tout de suite, il va faire un pas de côté, j'ai bien fait. Oh, oh les dégâts, les 3/4 de la vie. Non, c'est trop. Ah, il s'est pas fait avoir 2 fois. Il s'est pas fait avoir 2 fois. Ich. Fallait être bon dans le timing, parce que vu que ça lag, fallait pas se rater. Hein. Fallait pas se rater dans le timing. Ok. 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 J'aurais dû cancel. J'aurais dû cancel les frères. J'aurais dû cancel, mais vu que ça lag et tout, je me suis dit ça va pas passer. La cover de Miligaté. Let's go. Oh quel flow. Quel flow le perso. Oh là 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 là. Voilà, double esquive. Oh là là. Là ça va faire mal. La Miligaté. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il fait trop mal. Vas-y, la strike. Allez, il va switch. Rising Rush, il switch. Il switch. Switch. Il switch. Oh là 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 là. Voilà. Là, c'est Miligaté encore qui fait la game, les frères. C'est Miligaté, les gars, qui fait la game. Vous avez vu les dégâts et tout. En plus, ça passe. Bon, bah, voilà. Le perso, il est incroyable. A seulement 3 étoiles, je le rappelle. Non, non, ça, je vais pas laisser 3 étoiles, les gars. Faut qu'il monte en étoile. Je suis obligé de le respecter. Faut le respecter. Beaucoup trop puissant. Je peux pas le laisser à 3 étoiles. Là, faut le monter, ce gamin là. Là, le gamin, faut le monter. Oh là là. Allez, switch. Hop, voilà. C'est incroyable. Alors, attention là, le SVJ Blue. Ok, ça passe. Voilà. Voilà. Ah, il a Rising Rush. Il va mettre Blast. Il va mettre Blast. Après, même s'il met pas, bon, tant pis, c'est pas grave. J'aimerais bien LF... Ah bah, il a mis Blast. J'aimerais bien essayer de le LF avec le Miligaté, là. On va essayer, les gars. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de LF, les frérots. On va voir. Le Gogeta également, hein. Franchement, il fait kiffer. Hein. Là, la team, là, Gogeta Ultra, le tag, Miligaté. Ok, donc là, il a activé ça. Ça va être à moi. Ah ouais, hein, quand même. On va essayer de te LF, mais quand même, tu m'as fait mal, là. Ok. Ah, j'ai pas été bon dans le timing, j'ai le seum. Eh hey, par contre attention là, hey, faut que je fasse gaffe quand même. Oh là là. Ah, attendez, 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 parce que j'ai voulu faire le malin, j'ai voulu LF mais... Ah voilà. Oh j'ai eu chaud.
Voilà, vérité, j'ai eu chaud, j'ai voulu faire le malin, vouloir essayer d'élève et tout, alors j'aurais pu plier la game bien avant, mais bon, ça va, on s'en est quand même bien tiré. Ouais, j'ai eu peur. Ah, franchement, ça m'aurait mis le seum, parce que, bon, voilà, bon. En tout cas, le Vegeta, il a l'air super balèze, faudra que je le teste également. Wow, sympa la team, là, et puis, bah, du coup, il a migaté le Vegeta. On va reprendre les 3M, franchement c'est stylé cette team là, je les ai même pas encore farm les frères, faut que je les farm, de toute façon je vais les farm avec vous en live et tout, on va faire les choses bien, là hier vu que voilà c'était une grosse journée, là ça va, j'ai récupéré un petit peu, j'ai dormi, parce que hier c'était vraiment vraiment intense, mais ça faisait kiffer, et bah let's go, on va voir un petit peu ce que ça donne, il a mis gâté 4 étoiles lui, il a du foot DPZ, 6 étoiles le Vegeta et le Tenshinhan 10 étoiles, va falloir faire attention quand même, parce que du coup... Il a une étoile de plus que moi sur le Migaté. C'est genre, c'est l'étoile qui va tout changer. Hop, la Strike 37, tu t'es fait avoir. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer face au Migaté, les frérots. Hein. Vu qu'il a la double esquive, moi je fais du Strike Cancel et tout ça. Et ça se passe plutôt bien. Et là, même à contre-type, hein. Même à contre-type, les frères. Hein. Même à contre-type, hein. 3 étoiles. Voilà, double esquive. Ok. Voilà, par contre, faut faire gaffe quand même. Oh là là, eh, mais il fait mal le Vegeta. Ok, alors attention, il a mis le Tenshinhan. Non! Kaioken! Kaioken! Oh la vache! D'accord, très bien, ok. Là, c'est chaud là. Ouah, oh là là, bon bah je crois qu'on va peut-être la perdre. On va peut-être la perdre celle-là les frères parce que là il est en train de m'arracher la tronche. Ah ouais. Ah ouais. Ah là là, puis je contre pas. Après attendez. Migaté, 1v3 ou pas? Tu sais le mec il s'enflamme, il a un perso 3 étoiles. Ok, il a activé son main lui. Yes, allez. Migaté, on compte sur toi, frérot. Donc là, je vais Rising Rush direct. Mets Tenshinhan si tu veux. Faut pas qu'il me le contre, ça m'arrangerait. Parce que pour l'instant, on est en 1v3. Et peut-être, sait-on jamais, ça passe. Peut-être, sait-on jamais, 1v3 avec Migaté 3 étoiles. Est-ce que c'est faisable ou pas? Le mec, je vais me faire ratatiner. Ok. La verte. Ça voilà, direct, hein. Ich. Oh là là, magnifique l'attaque. Magnifique l'attaque. Magnifique l'attaque. On l'a tué. On l'a tué. Ah là 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 là. Il y a de la survie au cas où, on n'oublie pas. Que ce soit pour lui ou pour moi. Migaté face à Migaté. En tout cas, pour l'instant, on a fait une remontada. Là. Donc là, il va me faire mal. Ich, voilà. Ok, à mon tour. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. La survie au chaos, voilà, voilà, voilà. Mais là, je peux plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai eu la survie au chaos, tu t'es fait avoir. Oh là là, le seum qu'il a dû avoir. Le seum qu'il a dû avoir. 1v3 avec Migaté, les frérots. On a fait une big remontada. La survie au chaos, les frères. Elle a été extraordinaire. Migaté, la carrière la game. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Alors, attention. Voilà, parce que certains qui n'ont pas Migaté, voilà, ils risquent de dire « Non, mais le perso, c'est n'importe quoi. Il est beaucoup trop fort, etc. » Les gars, on parle de Migaté maîtrisé. La dernière forme connue la plus puissante de Goku. C'est normal. Fallait qu'il soit fort, le perso. Vraiment, fallait qu'il soit fort. On parle pas d'un Goku SSJ ou quoi, ou là, si vraiment il serait fort à ce point-là, tu te dirais « Non, c'est abusé. » Là, c'est Migaté. Franchement, célébration d'anniversaire, personnage star, dernière forme maîtrisée de Goku, le Migaté
nos Goku maîtrisés, ce devait d'être fort. Et franchement, ça fait kiffer. Il est seulement 3 étoiles. Les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. Peut-être qu'en fin de journée, on ira directement sur ma chaîne Twitch regarder des films Dragon Ball ensemble. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Tout comme le lien de la chaîne YouTube de le Divine. Essayez de lui donner de la force, les amis. Elle se rapproche de 5000 abonnés, comme j'ai pu vous le dire. Et franchement, ça fait kiffer. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!